Coucou tout le monde. Alors j'ai eu du courrier aujourd'hui. J'en ai un ici hier. Je regarde un peu l'adresse. Alors j'en ai eu un hier et j'en ai reçu trois aujourd'hui. Donc je vais déjà en ouvrir deux, voire peut-être un troisième. Enfin, je vais voir comment ça va aller. Je ne vais pas faire des vitres trop longues. Donc je pense que c'est pour le concours là, c'est Samantha qui se reconnaîtra. Donc je noterai après, je noterai là. Donc c'est parti. Le coupe-papier. Alors là, Samantha, je crois savoir qui c'est, mais je ne veux pas anticiper. Parce que dans le passé, je me suis déjà trompée plusieurs fois. Alors attendez, attendez, attendez. Sa petite carte, la voilà. Donc. Déjà, je vais faire comme ça parce que je me suis l'autre jour aperçu que quand je prenais les cartes, ben on voyait tout derrière. Donc, je mets un carton. Alors, Samantha, Samantha, c'est découverte imagination. Il me semblait bien, oui. C'est super. D'accord. Alors, je sais pas si je l'avais ou pas. Par contre, il y a un petit collant dessus. C'était peut-être collé sur quelque chose. D'accord. D'accord. Donc c'est découverte imagination. Je vais mettre le numéro donc 10. Hop là. Donc Samantha, tu as le numéro 10. C'est découverte imagination. Ah, j'ai pas assez de place. Samantha. Voilà, je vais marquer ça maintenant carrément. J'hésite pas à écorcher ton nom. Le numéro 10. Voilà. En grand. Hop. Donc je le mets là. Alors, Samantha. Numéro 10. Alors, elle m'a mis donc sa petite carte, donc c'est super bien. Je vais sûrement pas la voir. Je vais tirer le petit collant là. C'était rattaché. Donc sur son petit mot, je pense que c'est son petit mot. Ouh, c'est joli ça. Ah, oh, c'est Libellule. Oh, c'est beau. Elle a fait un superbe tag avec de la patouille. C'est une Libellule en patouille. Regardez comme c'est joli. Ah, attendez, je n'ai pas allumé l'autre lumière. Oui, il faut que j'allume deux lumières. Sinon, j'ai un reflet, c'est fou. Donc voilà, je vous montre donc ce qu'a fait Samantha. Je trouve ça super joli. C'est de la. Alors, c'est un pochoir et c'est de la pâte à texture qu'il y a dessus. Ça représente une libellule. Et love the. Alors là, c'est trop petit, j'arrive pas à lire. Il y a plein de petites lettres, là, vous voyez, en haut et en bas. Donc, elle me marque. Félicitations pour tes 500 abonnés. Ok, donc je vais découvrir la recette. Ah, ben c'est gentil. Elle me marque que je peux utiliser le tag comme embellissement. Ben, c'est super gentil. Alors, ça, c'est la petite recette, je pense. Mais attendez, il y a plusieurs choses dedans. Donc, par quoi on commence? Ah oui, regardez, ça c'est super sympa. Ils sont beaux les. On dirait un napperon, je ne sais pas si c'est un napperon, mais regardez. C'est super sympa, elle a fait une pochette avec le napperon. Oh, c'est génial. Et donc, attends un peu, je crois que la recette n'est pas dedans. Il me semble que Samantha m'a envoyé un email en disant qu'elle avait oublié de mettre sa recette. Alors je vérifie. Donc sa recette, je pense que je vais la recevoir par courrier, si ce n'est qu'elle est déjà peut-être arrivée sur dans ma boîte mail. Donc si c'est le cas, je vous dirai ça en cours de route. Donc oui, elle m'a dit qu'elle avait oublié de la mettre dedans. D'ailleurs, ça m'a bien fait rire. Donc Samantha, elle m'a envoyé donc son joli petit tag, sa carte.
Alors ça, c'est super sympa aussi. C'est des cartes postales comme ceci. J'adore. J'adore, j'adore. Donc il y en a une, il y en a deux. Et justement, comme je suis sur un junk là, ça va me servir. C'est joli ça. Un petit cœur. Ah, c'est dans une petite pochette à thé. Je crois que c'est une pochette à thé, hein, non? Je pense, hein. Mais ça aussi, c'est pas mal, remarque. Et donc, elle m'a mis dedans plein de petites choses comme ceci, regardez. Pour mettre sur les. En plus, elle a patouillé. Je pense qu'elle a dû patouiller. Hein. Elle a collé du papier dessus, puis elle a patouillé en dessous. Ah, oh, c'est super. Il y en a plusieurs. C'est pas mal du tout. Et ces deux petites bannières, comme ceci. C'est génial. Eh bien, Samantha, je te remercie du fond du cœur. Oui, je disais donc que Samantha, oui. Il n'y a pas la recette puisque tu devais me l'envoyer. Je ne l'ai pas eu, j'ai été vérifiée. Là, j'ai mis sur pause 2 minutes. Donc, j'ai été vérifiée. Je n'ai pas eu ta recette. Mais dès que je l'aurai, je mettrai. Je la ferai entre deux vidéos. Je la ferai voir, quoi, entre deux courriers. Donc, je te remercie du fond du cœur. Je vais laisser ta petite carte sur le côté pour l'instant. Hop, voilà. Et je te remercie du fond du cœur. C'est super. Mais c'est vrai que tu m'as fait bien rire avec. Avec moi, je vais dire ton petit mail que j'ai reçu. Donc, je te mets dans ma boîte le numéro 10. C'est Samantha Découverte Imagination. Voilà. Dans mon petit bocal. Ensuite, on va prendre un autre courrier. Alors, qui nous vient de Domi. Je pense que c'est pour le concours, mais je crois que ça doit être une nouvelle abonnée, Domi. Alors, Domi, tu auras le numéro 11. Voilà. Attendez, je vais prendre une petite étiquette quand même pour noter tout de suite. Numéro 11, Domi. Est-ce que. Ah oui, alors je ne sais pas du tout si c'est un pseudo. Donc, je vais marquer Domi déjà. Domi de Cahors. Ah, c'est pas au-dessus de moi ça. Domi de Cahors. Oui, c'est le département juste à côté. Donc, le numéro. Qu'est-ce que j'ai dit au fait? Numéro 11. Je perds pas la tête, hein, ma caméra continue à me faire des misères. Donc, Domi. Numéro 11. Voilà. Du coup, je vais mettre le nom de famille quand même parce qu'il faut que je m'en rappelle. Et je mettrai à côté ton pseudo si tu en as un. Alors, on va prendre pour ouvrir le courrier. Domi, j'ai pas fait voir qui m'a fait de superbes fleurs. Vous voyez, c'est joli, n'est-ce pas? Super tamponnage de fleurs. Alors, oui, quand ça a bugué, je sais pas, mais j'étais en train de vous dire que la recette de Samantha, je ne l'avais pas encore reçue. Mais ça me serait tardé, je suppose, quand même. Donc, oula, dites donc que là, c'est que ça va être joli tout ça. Voilà, donc j'ai vidé la pochette. Hein. Hop. Je vais la mettre là, étant donné qu'elle est déjà inscrite, ça va. Donc, la carte. Alors, attendez, parce qu'il y a ça. Il y a ça. Donc je pense que ça c'est la carte. Elle est super jolie, la petite carte. Je vais l'ouvrir avec vous. Oh c'est super, en plus elle n'est pas fermée. J'adore la couleur de l'enveloppe. Juste for you. Oh c'est génial. Je remets la petite fleur en place. Regardez, juste for you. Elle n'est pas jolie. Avec un fond d'embossage. Alors c'est un fond texturé, j'adore. Je sais pas ce que c'est exactement le fond, mais on dirait un feuillage. Hein. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, sa petite carte. Donc, je vais prendre mon petit bonhomme. Hop, pour cacher l'adresse.
Alors, non, 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 il n'y a pas de pseudo. Il n'y a pas de chaîne non plus, dommage. Elle est jolie, il y a un joli washi sur sa petite carte. Voilà. Donc, elle me marque qu'elle aime les couleurs. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai un... C'est assez sombre comme ça, d'un coup. Ou c'est moi, je ne sais pas. Ça s'assombrit. Alors, elle aime les couleurs vives ou contrastées. Les fleurs, les chats, les chiens, les fées. Moi, le chamis, le steampunk. Mais tout me plaît quand même. Voilà. Alors, c'est super. Je te mets ta petite carte ici. Puisqu'elle va rejoindre ses petites copines. Alors, dedans, j'ai un petit mot. Ah, il y a la recette aussi. Attendez, 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 attendez. Il y a le petit mot que je vais lire après. Il y a la recette que j'ai demandé. Super. Alors, escalivade de Gisou. 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 Alors, c'est fait avec des aubergines. Avec des poivrons. Je vous dis en grande ligne. Mais je ferai une vidéo, puis je vous dirai un petit peu ce qui est marqué sur les recettes. En fait, c'est comme un gratin. D'aubergine, de poivron. Ça ne va pas être mauvais non plus. Hein, des tomates, des oignons, du sel, du poivre. Je vous ferai un petit détail comme ça, quitte à faire plusieurs vidéos avec les recettes des copinettes. Donc celle-ci, je ne l'avais pas non plus. Ton petit mot, est-ce que je le dis maintenant ou après? Après tout, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Voilà. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien la bonne humeur sur mes vidéos, j'adore. Ça met tout le monde en bonne humeur, en plus, c'est bien. Ah, 2 ans. Patchwork, tricot, crochet et point compté. D'accord. On n'a plus. Elle n'a aucun mur qui est libre à sa maison, tellement elle a des choses dessus. Ah oui. Ah bon. Ah, sa recette, elle vient du côté de Perpignan, du côté de chez mon fils. Tiens, je penserai à toi quand je vais la faire. C'est super, c'est super, super. Donc, elle scrape depuis 2 ans. Alors là, je ne sais pas par où je vais commencer parce qu'il y a... Alors, je suppose que ça devait être comme ceci. Là, elle fait beaucoup d'ATC, d'attestampes. Donc là, je pense que c'est une petite attestampe. Oh, c'est joli. Regardez comment c'est joli, c'est joliment bien fait. C'est joli tout plat dans une petite boîte comme ça qu'on va ouvrir ensemble. Je vais essayer de pas... Les scratchs, je me méfie un peu parce que le problème... Ah, il y en a plusieurs. Avec les scratchs, le problème, c'est que des fois, ça déchire le papier. Wow! Oh, c'est joli. Regardez comme c'est joli. Avec un petit lapin. Et c'est dans les bois. Oh, elle est magnifique. Avec un petit lapin et puis des fleurs. Avec un fond de patouille. Elle est super jolie. Attendez, je vais mettre un peu ça sur le côté pour voir un peu plus clair. Ici, elle en a fait d'autres. Alors, c'est une série de 3. Là, c'est un cactus. Là, 2 sur 3. Là, j'ai pas dit laquelle c'était. Attendez. Ah, là, 1 sur 6. En fait, on a fait tout plein. Elles sont jolies. Et là, c'est avec des papillons. Cœur de papillon. Et c'est la 2 sur 3. Oh, ils sont mignons, les petits papillons, comme ça. Regardez. Elles sont superbes. Ah, j'adore. Je vais avoir plein de petites attestantes. Moi, je vais me régaler. Je vais faire des... Je sais pas, je vais faire quelque chose pour les ranger dedans. Alors, elle m'a mis une petite pochette ici. Et je suppose que ça doit être une ATC. Ah, il y en a plusieurs aussi, des ATC. La pochette, elle est magnifique. Attendez, je vais les sortir. Regardez, c'est fait avec 2 enveloppes comme ça, c'est pas mal du tout la façon que c'est fait. Regardez-moi ça. Ah, ça reprend le même thème que ça en fait. Hein. Là, il y a un oiseau en plus, là, il y a une fleur, et là, c'est un fond fleuri.
Et l'intérieur, c'est deux enveloppes. On dirait deux enveloppes l'une dans l'autre. Si je ne me trompe, ça doit être ça. Et ça donne une pochette comme ceci. Alors, oh, elles sont jolies. Elles sont magnifiques. Et ça doit être. Je ne sais pas en fait. Ça, c'est toi qui l'as fait, hein, cette impression-là. Alors, c'est plume. Avec le papillon. Le fond, c'est une patouille que tu as faite, sûrement. Je pense, hein. Un fond de patouille, regardez. C'est magnifique. Ici, c'est un chat. Petit. Beauté, ça veut dire en fait. Chabada. Pas mal. 4 sur 4. Ah, elle est jolie aussi celle-ci. Et là, c'est la quoi? 4 sur 6. Oh, le chat, tu m'attends 2 secondes. Oui, j'ai le chat à côté. Et là, c'est une petite fée, une petite elfe qui est juste en dessous de la lune, comme ça. C'est amour de fée. Elle est magnifique aussi. Elles sont superbes, tes ATC. Donc, trois jolies petites ATC, trois jolies petites attestantes. Voilà, je l'ai dit à l'envers. Je vais faire sortir le chat. Je ne mets pas sur pause parce que j'ai peur que ma caméra ne se mette pas en route après. Voilà. Toujours ces problèmes de caméra. Et alors ici, je crois que si je ne me trompe pas, c'est une carte sans fin. Il me semble. Hein. Voilà, c'est ça. C'est une carte sans fin. J'adore ce genre de carte. Alors, il faut que je me rappelle. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. For you. Regardez comme c'est joli. Oh, c'est magnifique. Elle est superbe. Je vais la mettre là, comme ça, vous allez bien la voir. Donc là, vous la prenez, vous l'ouvrez ici. Ça donne ceci, vous la rouvrez là et ça donne ceci. Elle est magnifique, elle est superbe. Voilà, et ici, oh, alors il y a une petite un métier d'omi. Oh, c'est mignon! Elle a mis des petites, regardez, des petites bidules dedans. Alors dans les petites bidules, il y a même une petite licorne. Oh, c'est mignon, c'est fin en plus. Je vous le remontre. Alors, c'est vrai que je ne déballe pas parce qu'après, je vais même le remettre dedans. Comme ça, je saurai qui me l'a envoyé. Voilà. Mais j'adore ce genre de carte. J'adore, j'adore. Alors attendez. Il y a toujours un sens pour l'ouvrir. Comme ceci. Et comme ceci. Et puis là, je crois que c'est une autre carte que j'ai pas. Ah oui! Oh, bah attendez, il y a encore des attestantes dedans. Oh! Alors là, c'est la petite sœur de celle-ci. Féerie, la une sur trois. Elle est trop jolie. Et celle-ci, c'est. À l'endroit, ce serait mieux. Plante. La une sur trois aussi. Regardez. Elles sont magnifiques. Je vais avoir toute une collection d'attestants. Je suis ravie. Ravie, ravie. À part que je trouve un système pour de pochettes pour faire pour les mettre dedans. Alors je vais refermer pour ne pas l'abîmer. Si j'y arrive. Avec mes gros doigts. Je ne sais plus comment tu avais fait. Si tu l'avais rentré dedans. Non, je crois que tu l'avais laissé comme ça. Hein. Je pense. Hein. Donc voilà, c'est magnifique. Elle est superbe. Oh, j'adore avec les petites chaises, tout ça là. Regardez. C'est trop beau. C'est trop beau, trop beau, trop beau. Les petites découpes à l'intérieur. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, bah, je vous la fais voir de trop loin là. Et puis du coup, on la voit pas. Hop. Comme ceci. Et comme cela. Voilà. Ben, écoute, c'est magnifique. C'est un superbe envoi. Je suis ravie, ravie, ravie. Donc, Domi de Cahors, comme ça je sais que c'est toi. Je vais te mettre dans ma petite boîte. Tu es le numéro 11. Et je vais arrêter là cette vidéo. Puisqu'elle a déjà coupé deux fois. Il va falloir faire des raccords. N'est-ce pas? Je suis vraiment désolée. Mais bon, voilà. Alors, je disais donc c'était super. Oui, j'ai encore une coupure. J'étais ravie. Ravie de l'envoi de Domi. Voilà. Que je mets ici pour vous faire voir.
Je vais arrêter là parce que je veux pas que ma caméra coupe, mais trop tard, elle avait déjà coupé. De l'envoi de Samantha, dont j'attends la recette et puis je la présenterai après. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Mille merci les filles, c'est vraiment très très joli, c'est superbe. J'adore vos courriers. Merci, merci, je vous fais des gros bisous et je vais essayer de faire une autre vidéo avec le courrier suivant. Bisous.